De nos jours, pour trouver un bon mari, c'est de plus en plus rare. Pour trouver une bonne épouse, c'est de plus en plus rare. Si tu as la chance d'être en couple avec une personne sérieuse, une personne qui te montre qu'elle est avec toi, une personne qui te dit every time qu'elle t'aime, une personne qui te dit every day qu'il est avec toi, qu'il te soutient, qu'il t'aime là, mon frère ou bien ma soeur, considère-toi comme étant une personne chanceuse. Parce que la majorité des personnes sérieuses qui sont dehors là me font de la peine. Pourquoi? Parce que à côté d'eux, il n'y a que des démons. D'accord, je discute avec beaucoup de gens en privé. J'ai découvert des âmes sensibles, des belles personnes. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les personnes avec qui on va les mettre là. Mais on va trouver. Hein? On va trouver. Je vais vous trouver des bons maris. Des bonnes femmes fidèles, là, comme Maman Chi. Oui. Parce que Maman Chi, c'est une femme fidèle. Maman Chi, c'est une femme droite. Maman Chi, c'est une femme remplie de valeurs. Une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui marche comme ça, la tête haute, parce qu'elle ne doit rien à personne. C'est Maman Chi. Et Dieu merci, quand je discute avec une personne, je ressens les choses. D'accord? Donc, je vais vous aider à mon niveau, mais je ne pourrai pas aider tout le monde. J'ai mis quelques annonces sur mes pages. D'accord? Il y a des annonces que je ne connais pas. Hein. Par exemple, la majorité des Caucasiens que je publie, c'est des personnes que moi, je ne connais pas. Il y a aussi quelques femmes que j'ai publiées, je ne les connais pas particulièrement. D'accord? Mais parmi les profils que je publie, il y a des personnes avec qui j'ai tissé quelques liens. Et je peux vous garantir à 2000% que c'est des personnes sérieuses. D'accord? J'ai le profil de Chantal. C'est une femme béninoise. Une femme qui habite à Nantes. Elle a 50 ans. Elle est maman d'une fille. Elle recherche l'amour avec un homme qui a entre 49 et 55 ans. Un homme sérieux. Peu importe la couleur. Il faudrait juste que vous soyez sérieux. Il faudrait que vous soyez un monsieur. Un monsieur qui veut se mettre en couple. Un monsieur qui est prêt à s'engager. Un monsieur qui a un peu. Pas un profiteur, pas un gigolo. Parce que la majorité des hommes qui sont dehors là, ce sont des gigolos. C'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui se retournent vers les Caucasiens. Parce que chez les Africains, ici en Europe, la majorité sont des gigolos. Donc si tu es quelqu'un qui n'est pas gigolo, tu as un peu aussi. Et que le profil de Chantal t'intéresse, rentre en contact avec moi. Chantal a 50 ans. J'ai le profil de Harley. Harley, c'est une dame d'origine gabonaise. Elle a 53 ans. Elle habite en Afrique, au Gabon plus particulièrement. C'est une maman, une femme qui a eu des enfants. Donc, elle a un cœur de maman. C'est une femme responsable. D'accord, je n'ai pas encore mis son profil parce que je n'ai pas encore trouvé des personnes qui peuvent la correspondre en fait. Mais elle rentre en France quand elle veut et comme elle veut. Parce que grâce à son boulot, c'est une dame. Elle peut rentrer en France quand elle veut et comme elle veut. Si ce profil vous intéresse, elle est particulièrement attirée par des Caucasiens. Mais si vous êtes un Africain, un monsieur, parce que c'est une dame, écrivez-moi en privé. Elle a 53 ans. D'accord? Si vous recherchez l'amour, le vrai, les profils que je suis en train de vous dire là, n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi. J'ai le profil d'une jeune dame, Christelle. Elle a 34 ans. Elle habite à Bordeaux. Elle est maman de deux enfants. C'est une femme remplie d'amour. Une très belle personne. Une petite sœur. Écrivez-moi en privé. Elle recherche l'amour avec un homme. Elle préfère les Africains. Si vous avez entre 37 et 45 ans maximum et que le profil de Christelle vous intéresse, écrivez-moi en privé. Vous allez tomber sur la bonne femme. Elle ne veut pas des profiteurs parce qu'on a assez profité d'elle. Si aujourd'hui elle a deux enfants là, c'est parce que les personnes avec qui elle a fait les enfants, c'est des personnes qui sont venues profiter d'elle. Donc moi je suis derrière elle pour lui montrer et pour lui dire que là, ne prends pas parce que tu as assez donné. Maintenant c'est à toi de recevoir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus donner, non. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui si elle doit se mettre en couple, il faudrait que la personne apporte quelque chose, pas quelqu'un qui vient seulement profiter d'elle. On ne veut plus des gigolos. C'est comme ça. J'ai aussi le profil de Paul. Paul, mon grand frère. Hé, mon grand frère, Paul. Paul. J'ai découvert une belle personne, un monsieur de 48 ans, d'origine camerounaise. Il habite en France. Il recherche l'amour avec une femme qui a entre 35 en montant. Il a 48 ans. C'est un monsieur sérieux. Un monsieur avec un grand cœur. Les filles, si vous recherchez l'amour, le vrai. Écrivez-moi en privé pour les profils que je suis en train de vous mentionner là.
D'accord? J'ai le profil de Franck, on va dire Franck. C'est un monsieur d'origine camerounaise, ivoirienne. Il a grandi ici. Il est papa de deux enfants. Il est divorcé. J'ai déjà mis les annonces sur ma page. C'est quelqu'un qui recherche l'amour, tout simplement. C'est quelqu'un avec un grand cœur. C'est mon fils. Il m'appelle maman. Il me dit, je te considère comme ma mère. Et pourtant, tu es une grande sœur, mais je te considère comme ma mère. C'est des belles personnes. Toi qui me regardes en ce moment, qui habites en France particulièrement, les profils que je viens de te citer là, si tu recherches l'amour, le vrai, n'hésite pas de rentrer en contact avec moi pour rentrer en contact avec ces profils-là. J'ai le profil d'un monsieur, j'ai mis son annonce hier. Il est d'origine ivoirienne. Il recherche une femme de l'Afrique de l'Ouest. Si vous recherchez l'amour, le vrai, rentrez en contact avec moi, avec les profils-là. Pour l'instant, hein. En ce qui concerne les Caucasiens que j'ai mis sur ma page, c'est des personnes que je ne connais pas particulièrement. Mais Dieu merci, parmi eux, il y en a qui sont déjà en contact avec certaines personnes. Je croise les doigts, je ne mélange pas. Parce qu'il y en a, j'ai mis les annonces, alors que ce sont des cassos. Parce que oui, je le dis, c'est des cassos. Mais il y a deux personnes parmi les annonces que j'ai mises qui sont sérieuses et qui reviennent vers moi régulièrement, me dire que voilà, je suis en contact. Et apparemment, mais bon, on attend un peu. Donc ça va. Vous recherchez les blancs, mes sœurs. Vous recherchez l'amour avec les blancs. Si j'avais beaucoup de blancs à vous distribuer, je n'allais pas hésiter. Hein. Mais malheureusement, pour l'instant, je n'en ai pas sous la dent. D'accord? Allez vous inscrire dans les sites de rencontres. Peut-être que Dieu vous fera grâce. Pour celles qui sont en France, c'est plus facile pour vous par rapport à celles qui sont en Afrique. Parce que quand on est en Afrique et qu'on recherche un Caucasien qui vit en Europe, des fois, c'est difficile parce que le monsieur, il s'est dit que bon, toi, tu es loin là-bas alors qu'il y a les femmes africaines ici. Donc, c'est plus facile pour vous qui êtes ici en France. Ce n'est pas la peine de me harceler tous les jours là. Parce qu'il y a une qui m'a dit hier, je suis impatiente que tu me trouves mon blanc. Ma chérie, tu es impatiente hein, alors que tu habites en France. Façon que c'est difficile pour toi là, c'est aussi difficile pour moi parce que moi, je suis mariée. D'accord? Je suis mariée. Je fais ce que je peux. Donc, si vous êtes impatient de trouver les blancs à travers Maman Chi, marchez au rythme de Maman Chi. Maman Chi, elle ne fait pas la magie. Maman Chi, elle fait ce qu'elle peut. D'accord? Si j'ai quelqu'un de sérieux, je ne vais pas hésiter de vous mettre la personne en statut comme ça là et vous dire que voilà, il y a quelqu'un. Mais je précise encore que la majorité des personnes que je publie, c'est des personnes que je ne connais pas. Donc, quand tu vas te mettre en contact avec la personne, si ça ne marche pas, il ne faut pas dire que c'est de ma faute. Mais quand je fais la pub, comme la pub que je viens de faire là, sachez que c'est des personnes sérieuses. J'ai aussi le profil d'une dame, une maman à moi. C'est une maman à moi. Elle habite en France, ça ne fait pas longtemps. Elle a 53 ans. Elle aussi, elle recherche l'amour. En tout cas, écrivez-moi en privé. D'accord, si vous recherchez l'amour, le vrai, écrivez-moi en privé. Je ne veux pas des gigolos. Je ne veux pas des profiteuses. Parce que oui, si beaucoup de gens se retrouvent célibataires aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de profiteurs et de profiteuses. Vous êtes nombreux comme ça, à la recherche soi-disant du foyer. Vous voulez juste rentrer dans le foyer. Et étant dans le foyer, là, vous allez commencer à vendre le piment. Toi qui es censé donner ton poitou à une seule personne, tu vas être avec quelqu'un dans le foyer et tu vas distribuer ton poitou à gauche et à droite. Et en ce qui concerne les hommes, là, vous êtes nombreux comme ça. C'est pour ça que beaucoup de femmes ne veulent plus des Africains. Parce que la majorité des Africains, quand ils sont en couple, ils ont des sales habitudes. Ici, en Europe, c'est l'échange et le partage. Si tu vis avec une femme, tu dois participer. Enlevez votre costume de c'est l'homme. C'est moi l'homme. Et ta femme aussi, c'est un être humain. La vie de couple, c'est l'échange et le partage. Si vous voulez être heureux dans votre vie de couple, vous devez apprendre à partager. Vous devez apprendre à faire les choses ensemble. Parmi vous, beaucoup trichent. Beaucoup sont remplis de mauvaises intentions. C'est pour ça que vous galérez. Et j'aimerais même vous dire que parmi vous, là, beaucoup ne vont pas trouver. Parce que beaucoup sont des blessés de guerre. Vous trimballez avec vous les tortures qu'on vous a faites dans le passé. Aujourd'hui, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire que je n'ai plus envie de subir ci, je n'ai plus envie de subir ça. Reste seul. Reste seul. Dans le cas contraire, ouvre ton cœur et accepte quelqu'un d'autre avec ses défauts et ses qualités aussi. En tout cas, j'attends vos messages en privé. D'accord?